بخير كيداير كل شيء مزيان صحيحة السلام عليكم اهلا وسهلا لا والو ما بيناش ما كنتش ما كناش حنا ما بناش ما نديروش اسماعيل كيداير بخير هاني الله يحفظك Le parc national de Tazka est situé dans la partie la plus septentrionale du Mayan Atlas, à 21 km de la ville de Taza. Il a été créé en 1950 et s'étend sur 680 hectares. L'objectif de sa création s'inscrit dans le cadre forestier et environnemental afin d'assurer la protection de toutes les ressources naturelles du sommet du Jbel Tazka, culminant à 1980 mètres. Ce massif constitue un château alimentant le système hydrologique de la région de Taza. Le parc s'insère dans un remarquable circuit touristique d'une longueur totale de 76 km, qui commence à partir de la ville de Taza, passant à proximité d'une série de curiosités naturelles, des cascades, des grottes, et des grandes étendues boisées. On y a réintroduit en 1994 des cerfs de l'Atlas ou cerfs de Barbarie. Le site de Tazka représente un habitat de prédilection pour cet animal par ses conditions favorables. Le sommet du Jbel Tazka, par sa cédrée naturelle qui l'entoure, offre un point de vue très remarquable sur toute la région environnante. Montagnes du Moyen Atlas humides et boisées, à l'inverse du massif riffin dénudé. Les précipitations sont comprises entre 400 et 1800 mm par an. شوق في قلبي وفي عيوني صحيت بتحبك
تحتاج بابي إيجينيك يا ربي ما طيح يا ربي ما طيح واش نجي نعاونك ولا نصورك لا عاونها وصورها هاب شوي عليك تكيسي على المونطو نعرف المونطو ما تقايته ما هي مقاش فيه اي اي